m'appelle Benoît, société à Pave, et je suis contrôleur technique sur le dossier Aquamalo. Mon métier s'articule autour de deux grandes missions principales, la solidité des ouvrages et la sécurité des personnes. Venez, je vais vous montrer en quoi cela ça consiste. En solidité, j'aurais pu vous parler des menuiseries extérieures avec le grand mur rideau en façade. On va plutôt faire une vérification des armatures. Donc ici, au niveau des armatures, nous avons deux lits d'armature. Donc ici, c'est un ST15C, ce qu'on appelle. Donc ce qui est bien, c'est que les écarteurs ont été mis pour permettre d'avoir un bon enrobage du béton. Alors ici, nous sommes en bord du bassin, à la jonction avec ce qu'on appelle les plages, où on va avoir un revêtement de sol carrelé. Et on va étudier comment s'affranchir du risque d'infiltration d'eau vers les locaux en sous-sol. Ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vraiment regarder attentivement si on ne voit pas des armatures qui seraient éventuellement affleurantes après ponçage, car nous allons être dans une atmosphère chlorée qui risque de faire gonfler les armatures s'il y a un défaut d'enrobage et qui conduirait ensuite à une fissuration du revêtement de sol. Donc ici, nous avons le joint de dilatation qui a été élargi pour des raisons de tenue au séisme. Voilà, j'espère que cette présentation très succincte de notre métier vous a plu. Il faut savoir qu'en complément, nous avons aussi des missions réglementaires telles que l'accessibilité pour les personnes à mobilité réduite, la tenue du bâtiment face au risque sismique puisque nous sommes réglementairement soumis aux normes parasismiques ou la conformité des installations classées, notamment du fait de la présence d'une chaudière bois. Donc comme vous voyez, sur un ouvrage tel que celui-ci, il n'y a pas un domaine où nous ne sommes pas passés pour émettre un avis. Voilà, j'espère que vous profiterez bien de cet équipement Aquamalo qui sera un équipement exceptionnel. À bientôt, au revoir.